Salut toi, c'est Pozero, bienvenue sur Metro Exodus, très content de te retrouver, on va continuer l'histoire principale avec la suite des aventures, Sam dans le DLC, Sam Story. Comme toujours, en début de let's play, pense à me mettre un pouce bleu si ce type de vidéo te plaît, ça me soutient beaucoup, et à t'abonner à la chaîne sans oublier d'activer la cloche pour ne louper aucun des nouveaux let's play que je publie très régulièrement. Si tu ne connais pas la chaîne, c'est le moment de la découvrir. Bon allez, trêve de bavardage et place à l'action. On va découvrir ce nouveau lieu. Ok. Alors, on vient de sortir de la piscine. Oula, déjà ça sonne à tout va. C'est qu'on est forcément sur un endroit intéressant. Là-bas, c'était l'ancienne piscine. Et nous, on doit retrouver le capitaine. Mais, entre-temps, ce qu'on voit là, c'est que du coup, hop, on a une zone ici, avec un point d'exclamation. Enfin, un point d'interrogation plutôt. Du coup, elle m'intéresse, parce qu'on a forcément quelque chose d'intéressant dedans. Ouais, bon, alors, le petit grincement, c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Hein. Je pense que tu l'auras compris. Je vais recharger. Parce qu'à mon avis, ma lumière en a besoin. Voilà. Et on est reparti. Yes. Ok, là, il n'y a rien d'autre. Chose ici là. Apparemment, on dirait. Ok, il y a quelque chose par là-bas. Sur mon radar. Ça a l'air d'être une école, ça. Tout ça, ça a l'air d'être un complexe sportif, en fait. Oh. Oh oh. Ok. Un gars qui malheureusement est mort. Alors. On va peut-être pouvoir commencer à faire des munitions, parce que ça, c'est important, les munitions. Voilà. Ok, donc ça c'est bon. Alors, on va nettoyer un peu notre fusil. Yes. Petit viseur réflexe. Et un petit laser. Ça c'est cool. Alors, hop. Ça c'est bon. Yes, on va s'équiper déjà avec ça. On sera déjà bien mieux. Oh que oui. Ok, donc là c'est obstrué, on va aller de l'autre côté. Eh, on s'équipe assez rapidement. C'est bien. On va déjà commencer par aller explorer toute la partie basse. Ça a l'air d'être une école réservée aux sportifs. Oh, c'est une classe de maths ça. Vous entendez la musique là? C'est quoi cette musique? Partition. Ok, une mélodie. Je sais pas à quoi ça sert. Vladimir Olegovitch, je vous informe que Zora Korzov sera absent demain car il représente notre ville au championnat régional de tir de précision. Il sera retour en cours dès lundi. Donc c'est ça en fait. C'était toute une zone dédiée aux grands sportifs. Là y'a rien. Ok. On doit être dans une forme de campus universitaire, un truc comme ça.
et là j'ai l'impression qu'on peut pas monter. Donc ici, on n'en fera pas mieux. Allez hop. Ok. Pour cette zone, c'est du tout bon. Ok, donc la petite école, c'est bon, on l'a fait. C'est terminé. Et qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? D'après toi, d'après Tom, le vieux capitaine est le seul à savoir où sont entreposées les barres de combustible. Il faut donc que je le retrouve. J'espère juste qu'il sera déposé. Qu'il sera déposé, disposé à me parler une fois que je lui aurai exposé la situation. La proposition de Tom. Ok, donc il faut aller droit devant. Ça marche. Donc là, RAS. Je pense pas qu'on puisse ici justement accoster. Donc le seul endroit, c'est là-bas. Alors j'espère que je vais pas rencontrer certains brigands qui auraient de vives intentions dans la guerre. Sinon, il va falloir que je me défende. Ok, allez. C'est quoi ça? Ok. C'est pour jouer un petit coup d'harmonica. Allez. Sympa. Ok, ça servait à ça les mélodies alors tout à l'heure. On peut apprendre du coup des mélodies. Et derrière, boum quoi. Très cool. Ok. Allez, fini la petite pause, on continue là. Ok, c'est parti. Il y a une mine là à droite. Ok, je pense que par là c'est bon si je passe par là. Ok. Donc lui c'est bon. Pas mal. Hey, une petite arme à récupérer là. Ok. Là, carrément, dans les sous-sols. On va peut-être pouvoir se balader dans le bâtiment sans que personne ne nous repère. Eh, hey, une petite arme au fond là. Ok, est-ce que je peux l'améliorer ou pas?
ça servait d'aller dans le fond. Alors... Yes, petit canon qui fait bien plaisir. Super. Avec ça, on va en faire des dégâts. Ok, donc la RAS. Ok. Par contre, maintenant, on a une belle petite arme. Et à qu'équiper d'un silencieux. Ça, c'est très bien. On va passer en vision nocturne. Ah, on peut pas remonter par là ? Alors, comment je fais mon coup, là ? Ah ! Je suis coincé. Je vais faire mon coup là. Ah mince alors. Alors, qu'est-ce qu'on a loupé? Je vais retourner là. On va peut-être louper un passage? Non, un truc. Donc, canalisation effondrée, machin, ok. Ah bah oui. L'échelle, par exemple. Voilà ce qu'on a oublié. Ok. Ça, c'est la mine. Oula. Essayer de monter en haut. Ok. Et voilà. Là, un autre gars. Discret. Il a pas l'air d'avancer, on va se le faire.
santé, c'est pas bon pour les yeux. Je vais voir si je peux leur remettre le film. Non. Il y a un gars là. Ok. Ok, je recharge à fond là. C'est bon. Bon, pour l'instant, on est invisible. Nickel chrome. Là y'a rien. Qu'est-ce qu'il cherchait le gars là? J'ai pas compris. On doit être du coup dans un cinéma. Ça a l'air intéressant. On va leur mettre ça, je pense. Je pense qu'ils vont apprécier. On va mettre quelque chose d'instructif pour changer. Les îles jumelées du planète Vostok et de San Diego sont unies par des liens d'amitié et de coopération très fortes. Merde alors, San Diego. Extrêmement important dans leurs pays respectifs, les deux villes sont des centres scientifiques, culturels et politiques majeurs, ayant joué un rôle considérable dans le développement de leur région. Sympa. Les deux villes ont une immense influence économique sur leur pays, mais également sur le Pacifique tout entier. En cette période tourmentée, le spectre des forces réactionnaires refait surface. Ok, c'est cool. De plus, nous ne devons ménager aucun effort pour renforcer l'amitié cordiale qui unit Vladivostok et San Diego. Nous estimons que l'entraide amicale et la compréhension mutuelle finiront par remplacer l'hostilité et la méfiance dans les relations internationales. Ok, un truc par là. On va avancer. J'ai cru entendre le capitaine.
puis on va recharger un petit peu. Là, il y a un gars là-bas. Oh, je l'avais pas vu celui-là. Faites beau rêve. Oula, je suis coincé par le décor. Ouh, l'autre il a failli me voir. Ok. Ok, j'ai réussi à en avoir. Je voulais faire discretos, mais j'ai pas réussi. Ils étaient comme 4. J'avais un peu la pression là. Ils sont quand même assez nombreux dans ce théâtre. Oula. Alors là, comment vous dire que je crois que je suis repéré? Ok, je confirme, je suis repéré. Ok, c'est bon, je l'ai eu. Ok, un peu de munitions, un peu de trucs. Mince, il est là. Allez, go. C'est bon, t'as gagné.
Ok, c'est mieux ainsi. Allez, on récupère un peu de munitions. Et on sera tout bon. Tout ça là. Du coup, on a quoi par là? Donc là, c'est tout bon. Ok, y a rien. Là, c'est bon. On peut se mettre la petite loupiote, là. Allez, on va charger ça à fond. Voilà. Ok, ça semble être par là qu'il faille aller. Bizarre, ça a l'air d'être au-dessus en fait. Il y a un truc au-dessus. Ok, donc là c'est bon, tout ça c'est bon. Donc on y retourne. Ok, donc ça... RS. Papa, je serai bientôt à la maison. Attends encore un peu. Yes, il faut encore attendre un petit peu. Ah, c'est par là qu'il faut que je passe. Ok, c'était tout bête. Bon, moi je me suis fait tout le monde, mais... C'était du coup pas obligé. Ah, sympa, petit morceau de piano. Bon, c'est pas non plus de la grande musique, mais bon. On va s'en contenter. Ouh, belle trouvaille. Oh oui, belle trouvaille. Eh, hey, un nouvel air d'harmonica. Ok, bon. Bon, bah là, je pense que... Ah oui, ok. Là, c'est carrément barricadé. Donc, on pourra pas faire mieux. Ok, et après, il faut aller par là-bas. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi, je me suis éclaté. Dis-moi si tu as kiffé en commentaire. N'oublie pas de me mettre un pouce bleu et de t'abonner si ce n'est pas encore fait en début de let's play. Sans oublier la petite cloche, ça soutient la chaîne et ça me récompense pour le travail fourni, de montage, etc. Je te remercie d'avoir regardé la vidéo. Moi, je te dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. Je pense que nous allons en face dans l'immeuble et nous allons explorer tout l'immeuble. On quitte donc l'Institut de Musique. C'était Cool Zero. Ciao, ciao.